Prends ça dans le museau, mon vieux. Merde, recharge. Cible en vue, 53 pas nord, 3 pas chassés sud-ouest, 2 cloches pied-est. C'est une femelle, bien charnue, approximativement entre 60 et 70 kilos. Ça t'intrigue, hein? Regardez-la, elle est intriguée. Bouge pas, ma cocotte. Bouge pas, ma cocotte. J'ai dû y refaire un deuxième trou de balle, mon vieux, à mon avis, là. Hein? Tu t'en sors bien pour cette fois. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Installez-vous pas trop fort. Si vous avez remarqué, on est en pleine période de rut pour les biches. Bienvenue sur The Hunter Call of the Wild et non pas The Hunter Call of Duty. Absolument rien à voir. Si vous jouez dans The Hunter comme vous jouez à Call of Duty, vous êtes perdu. Ici, oubliez tout ce qui est fusil, FAMAS, AK-47, colis stratégique et j'en passe. Seul notre fusil et notre corps en harmonie totale avec la nature va nous servir. Et éventuellement notre instinct de chasseur. Bon, où est-ce qu'elle s'est barrée cette biche? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat chasseur, anti-chasseur et tout le temps. Attendez, bougez pas. Je crois que j'ai un visu. Vas-y, gueule ma cocotte. Tu perds un pour attendre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat chasseur, anti-chasseur. Personnellement, je ne suis pas vraiment pour tuer toutes ces petites bêtes, les petites biches et tout ça. Mais quand il s'agit de remodéliser un deuxième trou du cul sur ce magnifique petit écureuil en 3D... Ah, ça me dérange moins, voyez-vous. Ah, à mon avis, mon vieux, celui-là, t'as dû la sentir passer, je pense. Non? Tu peux pas me dire que je l'ai loupé, quand même. Si? Eh ben, j'ai dû le louper. Oh, c'est quoi, ça? Oh, ça doit être un objectif. Alors oui, parce que là, on a des missions, carrément. On a des objectifs. Donc, c'est plutôt cool. Bien entendu, on est sur le DLC de The Hunter Call of the Wild. On est sur la nouvelle map. Donc ça, c'est bien cool. Toujours, si vous êtes chaud pour plus de parties de chasse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, les gens. Ça fait toujours plaisir, ça soutient. Je sais que vous êtes là. Et si vous voulez vous procurer le jeu, rendez-vous sur G2A. Tout est dans la description. Tout. Si vous faites péter la barre de like, les gens, on refera une vidéo de chasse directe. Il n'y a pas de souci. Montrez-moi l'argent. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Notre expédition est loin d'avoir trop d'argent. Oh, où est-ce qu'elle est, mon argent? Ah, ok, d'accord. Bah, nous, je crois qu'on a zéro. Regardez ça. À 60 mètres devant. Il nous faut de l'argent. Donc, je pense que pour faire de l'argent, faut prélever 2-3 petits bestiaux comme ça. Eh, hey, vas-y, kiki. On va le pister. Un cri d'avertissement, un porte-musque, je le vois, droit devant. Regardez comment qu'il est intrigué. Ça t'intrigue, ça, hein? Y'a ma fifi. À ce qu'il paraît, faut mettre du déo sur soi. Voilà, ça, ça va les attirer. Ils aiment bien tout ce qui est déodorant, axe, tout ça, tout ça. Regardez, regardez. Enfoiré, bah. Enfoiré. Cri d'accouplement. Il est en train de s'accoupler, le salaud. Ah, bah, mon vieux, tu m'as pas attendu pour faire la fête. Ouh, il y a du joli monde, hein. On va pister tout ça. Allez, viens, mon agneau. Il m'a repéré. Voilà, surtout. Surtout. Hein? Ça pique? Je pense qu'il a bien saigné, à mon avis. Oh, oui. Ouh. Blessure grave. T'as saigné comme un porc, mon salaud, hein. Regardez, regardez, regardez. Regardez, je pense qu'on va... Oh là là, regardez ça, si c'est pas beau! Hein? Alors, ouh, bah je l'ai bien touché, mon vieux. Et bah une petite femelle, 12,53 kg pour commencer la journée, j'ai envie de dire. Type de fourrure habituel, à 73,87 m quand même. Ah bah regardez, on a gagné de l'argent là, on a 1512 balles. C'est cool. Oh, écoutez. Écoutez. Écoutez, écoutez. Kiki? Kiki? Y'a ma pépé? Oh! Putain, mon vieux, lui, il est passé à une vitesse, c'est un écureuil. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Oh, il est parti au trot, c'est parti au trot, hein? Je vais mettre un peu de axe sur moi.
Voilà. C'est l'odeur de la femelle en rut. Ça cartonne chez les cerfs, à ce qu'il paraît. Rendez-vous à un point d'observation. Je pense qu'on va se rendre ici. Place à un marqueur. Allez, let's go. On est à 800 mètres. En tout cas, vraiment, il est super joli ce jeu. Vraiment, je kiffe quoi. La nouvelle map, je l'avais encore jamais essayé. C'est la première fois. L'ancienne map, c'est celle où vous êtes dans la forêt, c'est ensoleillé et tout. Bon, par moment, la météo, elle change, il pleut. Mais là, c'est un petit peu plus. Vous voyez, on est plus du côté de la Sibérie là. Oh! Écoutez! Écoutez ça! Merde! Où est-ce qu'il est? Où est-ce que t'es, mon salaud? Oh! Joli! Joli, joli! Je pense qu'on va pas tirer tout de suite. On va tenter d'en pister un. Oh, lui, oui. Lui, il est beau, lui. Il est plutôt magnifique. Kiki! Regardez, ça l'intrigue, hein. On va mettre un peu de axe, là, sur les roseaux. Ça l'a tiré, ça. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a... s'il y a des chasseurs qui nous regardent. Ouh, viens, mon Kiki! Viens, mon Kiki! Vas-y, mon Kiki. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Putain, j'ai le choix, j'ai le choix. J'ai tellement le choix, là. Oh, je pense que... Oh, putain, il est tellement beau, lui. Prends ça dans le museau, mon vieux. Ah, j'y en ai mis une dans le museau. Je pense qu'à mon avis, ça l'a étourdi 2 secondes, je crois. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est parti par là, de toute façon. Alors, attends. Oh, il y a encore un point à découvrir là-bas. Ah, putain. Où est-ce qu'il va être, le salaud? Oh, 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 oh. Ah, saignement très faible. Très faible. Attends, j'ai quand même tiré une balle dans le museau, là, non? Vas-y, on va tenter de le pister. Ok. Opa, opa. Ouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecter. La perte de nos vivres se fait sentir plus durement que nous ne l'aurions cru. Le temps sur la côte est épouvantable. Nous allons devoir nous diriger vers le sud, puis l'est, pour retourner au camp de base. Ok, très bien. Oh, 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 écoutez! Écoutez! Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Coucou! Alors, mon vieux? Dis-moi tout. Ça pique? Ouh, ça pique. Oh oui, ça pique. Blessure mortelle. Où est-ce que t'es? À mon avis, il a pas dû tomber bien loin, je pense. Hop, il y a encore un saignement là. Là-bas. C'est lui. Je crois que je suis pas en train de pister le bon, là. Putain, c'est dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il s'en sort bien. Enfin, je pense pas, mais... Je veux dire, nous, on va aller ailleurs. Oh putain, il est là, l'enfoiré. Il est là, il est là. Cri d'avertissement. Vas-y, viens, c'est ça. Viens, il vient vers moi. Vas-y. Vas-y, vas-y, regardez ça, il est pas loin. Viens, regarde comment ça sent bon. Ça sent la biche, là. Hein? Ça sent bon, la biche, hein? Chut, 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 chut. Oh... Yeah, ce sent la biche. Ok, j'ai un visu. 10 pas nord, 3 pas chassés ouest. Alors, ça pique? Ou comment ça se passe? Ouais, à mon avis... À mon avis, je l'ai bien touché, lui, hein. Je pense, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, oh, putain, il y a... Oh, il y en a partout, mon vieux. Il y a tellement le choix. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On pisse celui-là là-bas ou... Non, 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 non. Je vais continuer. Ah, oh, putain, je l'ai perdu. Merde. Ah non, je l'ai pas perdu. Il est là-bas. Je vais continuer à le pister. Regardez, regardez. Il va passer au-dessus, là. Regardez. C'est un tir risqué à cette distance, hein. On va continuer, on va continuer. Allez, viens. Viens, Fifi. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, laisse tomber une fois de plus, il s'est volatilisé. Je l'aurai de toute façon. On va se recroiser tous les deux. Ah, la chasse, c'est tout un art. C'est de la patience, de l'observation, de la ruse. Eh bien, regardez ça, on est arrivé à notre point d'observation. C'est pas magnifique, ça? Bon, je pense qu'on va monter tout là-haut. C'est parti. Attends, faut peut-être qu'on aille au point... Oh, putain, il y a du vent, là. Ah ouais, là on va avoir un sacré visu vu d'en haut. Je pense que là, il y a moyen. Ah yes. Excellent, observez. Point d'observation débloqué, nouveau lieu ajouté à la carte.
Ok, expérience obtenue plus 100. D'accord. Ah ouais, ça débloque la carte au fur et à mesure. Ce point d'observation offre une très belle vue. D'en haut, vous pouvez voir les aires de repos, les zones à gibier et tout ce que la nature a à vous proposer. On se remet en chasse, il m'en faut un. Y a pas moyen. Merde, putain! Pardon. J'ai ma souris, elle a cogné contre mon clavier, ça a tiré. Je me suis fait peur tout seul, mon vieux. J'ai sursauté. Laisse tomber. Mission, prélever un animal pour Gazer. Vas-y, Gazer. Je vais te prélever un animal. Il n'y a pas de souci. Oh! C'est un cri de quoi, ça? Cri d'accouplement. D'accord. Un petit coup de spray à biche. Et on est y part. Chut. Il est là. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Il est mal. Il est blessé. Blessure légère. Il est parti par là. Ouh! Il a saigné ici. La traque risque de durer un petit moment parce que là je le suis à la trace de sang. Mais ouais, c'est un saignement faible. À mon avis, il va pas tomber tout de suite quoi. C'est même pas dit qu'il tombe en fait. Par contre, il y a moyen qu'on le rattrape. Voilà. Il est tombé. Hein? Ah bah ouais. Impeccable. Et bah c'est cool. 99%, une belle femelle, presque 12 kilos. 217 mètres de pistache quand même. Hein. Argent obtenu, 2500. Yes, c'est bon. Alors, il est content, Gunter, là? J'entends quelque chose. Oh! Droit devant. Alors là, celui-là, mon vieux. Toi, je vais te modéliser un deuxième trou de balle. Je pense que ça pique, hein. Je pense que ça pique, hein. Il est là-bas. Je pense qu'il va tomber, il va tomber. Oh, il y a du sang, là? Ouais, c'est lui. Hop, ok, trace de sang, il est passé par là. Ouais, il a pas dû tomber bien loin, à mon avis. Ouais, bah écoutez, j'ai l'impression que je l'ai perdu. Putain, je l'ai perdu. Ce serait pas lui, des fois? Je sais pas, mais par précaution... Il est où? J'ai perdu le visu. Kiri. Encore des traces ici. Ça ne peut être que lui. Du sang ici. Encore du sang. Oh, regardez ça, il est là. Yes! Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons là une belle femelle de 399,37 kg exactement. Et on l'a pistée pendant 358 mètres. Quand même, j'ai envie de dire. On est à 4000 balles, franchement. Nickel. Bon, les gens, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur The Hunter Call of the Wild. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, eh ben, vous n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye. Au revoir.